Ah, cette petite phase de boot hein, de la PlayStation, c'est toujours un très grand plaisir de l'entendre. Bienvenue dans Les Enfants du Jeu Vidéo, l'actualité passée en revue, l'actualité d'il y a 20 ans, donc celle de février 1996, et on va s'intéresser eh bien, à un jeu à licence, puisque nous allons parler de Mickey's Wild Adventures. Alors, Mickey Mouse a vu quand même pas mal de jeux lui être consacrés au final, de plus ou moins bonne cuvée, on va dire, mais dans l'ensemble, il s'en sort pas si mal que ça. On se rappelle de Castle of Illusion, on se rappelle de The Magical Quest, et bien d'autres, de Mickey Mania. Dont d'ailleurs ce Mickey's Wild Adventure est tiré, et puis plus récemment on pourrait aussi parler de Epic Mickey, vous savez, où Warren Spector eh bien, est passé de Deus Ex à un jeu Mickey. Donc nous sommes sur PlayStation, le jeu donc est sorti au préalable sur Super Nintendo et Mega Drive, et il arrivait alors dans une version légèrement remaniée sur PlayStation, pour bien sûr eh bien, renforcer un petit peu les, on va dire plutôt la discipline plateforme de la PlayStation, qui c'est vrai n'était pas celle qui était la plus couverte hein, sur la console de Sony. Alors, les magazines bien sûr d'il y a 20 ans sont revenus sur ce titre, que ça soit console plus, joypad ou player one, et on va voir eh bien ensemble ce qu'ils ont écrit. Alors j'aimerais quand même que on ait un petit visuel du jeu. On est presque là, on est lancé le niveau, voilà, avec donc pendant les temps de chargement un petit Mickey qui bouge tel un magnifique gif hein, ça existait vous voyez déjà à l'époque. Voilà, temps de chargement quand même un petit peu long, le crayon se dessine, on ne sait pas ça va arriver. Oui, alors donc différents univers dans le jeu, là on prend bien évidemment du Steam Boy, puisque à chaque, on va dire, grand classique de Mickey, entre guillemets, voilà, le Steamboat Willie, eh bien, on a un niveau qui est consacré, c'est un peu la particularité du jeu, donc vous voyez, là, c'est pour ça qu'on commence avec un niveau en noir et blanc, voilà, quelques images, donc, pour que vous, bien, vous rappelez, ou peut-être vous allez découvrir hein, à quoi ressemblait ce titre, qui est sorti, donc, au début, hein, de l'arrivée de la PlayStation, puisque début 96, en Europe, ça rester eh bien le début de la PlayStation. Alors qu'est-ce qu'il en était dit dans eh bien les pages de magazines de jeux vidéo? Eh bien nous allons regarder cela tout de suite en commençant eh bien par console plus, c'est parce que c'est devenu une tradition. Alors vous allez voir, tous les tests qui m'ont été consacrés sont assez courts, et ce qui va être assez marrant, c'est qu'il y avait apparemment des magazines qui ne savaient même pas comment s'appelait le jeu, puisqu'ils l'ont appelé Mickey Mania, alors que elle portait un nom à part entière, en fait, hein, cette version notamment européenne, avec Mickey Wild Adventure. Alors, c'est parti, donc on nous dit là qu'il y a quelques rares énigmes. Que diriez-vous d'une rétrospective ludique des dessins animés de Mickey? De 1928 à 1990, vous allez diriger la célèbre souris dans 7 de ces cartoons au graphisme enchanteur. Tout commence en 1928 sur un bateau à vapeur, le Steamboat Willie. Tout le niveau est en noir et blanc, comme à l'époque, puis les graphismes se colorent petit à petit. Au rythme de votre progression, Mickey saute, s'aplatit, face contre terre, pousse des objets et lance des projectiles. À la fin de chaque niveau, la souris retrouve son double, image des métamorphoses successives du héros au gré du temps, et s'assurera les services tout au long d'un niveau du fidèle. Plutôt, le jeu est encore plus beau que les dessins animés d'origine grâce aux capacités de la PlayStation, effet 3D, transparence, rotation et animation parfaitement fluide. Les déambulations de Mickey le mèneront dans l'antre du Mad Doctor 1933, peuplé de nombreux squelettes, le lieu de diverses expériences et théâtre d'une course en wagonnet, puis le héros aux grandes oreilles dans The Moose Hunter 1937, un niveau très sympa, fuira devant un renne. Les fantômes seront ensuite de la partie dans The Lonesome Ghosts 1937, avant que Mickey ne doive affronter le géant et ses haricots magiques, célèbre dessin animé de 1947, quasiment de mes préférés, je pense, concernant Mickey.
La rétrospective s'achève avec The Prince and the Pauper qui date de 1990. Les fans apprécieront l'immersion de ce grand classique de Disney. Les fans apprécieront, je vous rappelle, eh bien, dans chaque test de jeu des années 90, on pouvait retrouver cette phrase. Voilà, alors en fait, on ne nous parle pas tellement du jeu, vous voyez, on nous parle des adaptations de niveau, on ne va pas tellement nous expliquer, donc du coup, on va être obligé de regarder plus volontiers. Les avis qui ont été donnés par Elvira et comme vous pouvez voir en bas, Spy, qu'est-ce qu'on nous dit ? Chaque dessin animé contient plusieurs sous-niveaux de jeu avec parfois un combat final contre un boss et quelques passages secrets. Les niveaux semblent identiques aux versions Super Nintendo et Mega Drive de Mickey Mania, sorti fin 1994, même si le déroulement du jeu a connu quelques modifications. Seul le nom du jeu a changé. Or, bizarrement, le jeu s'avère bien plus facile que sur 16 bits. Deux hypothèses peuvent être avancé. Soit la force de l'habitude rend très aisé la progression dans le jeu linéaire et fort classique, soit l'animation est si fluide que toutes les actions s'en trouvent facilitées. Quoi qu'il en soit, le jeu est vraiment beau et il est l'occasion d'une sympathique rétrospective des dessins animés de Mickey. Cependant, aucune difficulté réelle ne venant entraver votre progression, l'on en vient à bout très rapidement à offrir aux plus petits et aux débutants. L'avis de Spy, le seul mot qui me vient à l'esprit lorsque l'on me demande ce que je pense de Mickey Way Adventures, c'est linéaire, linéaire dans son déroulement, linéaire dans ses actions, plat quoi. En fait, je suis persuadé qu'il constitue une excellente initiation pour les jeunes, mais reste un intérêt très limité pour les autres. Sans être mal réalisé, sans être inintéressant, il ne propose pas de véritable challenge pour les joueurs que nous sommes. Un point, c'est tout. Pas de passage secret à tout va. Rien qui nous donne envie de reprendre le jeu une nouvelle fois. Basique quoi, à part ça, la réalisation est à la hauteur, même si on attendait plus d'améliorations par rapport aux versions Super Nintendo et Mega Drive. Et l'idée de base est parfaitement développée. Alors oui, vous voyez, ce qui est mis en exergue dans ce test-là, c'est le manque de difficulté du jeu. En effet, là, ils viennent de passer, hein, quelques mois en arrière, il y a eu du Yoshi Island, il y a eu du DKC 2. Donc forcément, le titre s'avère beaucoup plus facile. Et vous savez qu'à l'époque, c'était un critère qui était un peu dérangeant, parce que quand on finissait vite un jeu, on l'estimait pas assez profond, parce que rien nous amenait à passer plus de temps dessus quand on faisait défiler les niveaux. Et c'est vrai que c'est peut-être, on va dire, avec la PlayStation, que certains jeux commençaient à arriver, mais ça devait exister sur notre console, hein, mais on a vu plus de titres entre guillemets grand public. Donc le jeu a reçu deux notes, vous voyez, une note de 91% quand on y joue, quand on est jeune plutôt, et une autre note quand on est un habitué, on va dire, ou quand on a suivi tous les jeux plateformes qui sont sortis sur Super Nintendo Mega Drive. Présentation 85%, classique avec un pauvre écran titre et des démos donnant une idée de la beauté des graphismes, 92% pour les graphismes, effet 3D, scrolling différentiel, rotation est fabuleuse, couleur pour des dessins parfait, animation 90%, une fluidité à toute épreuve pour tous les personnages et un beau rythme pour Mickey. Musique 91%, des symphonies variées dans l'esprit de Fantasia, un régal, bruitage 91% mode digitalisé de Mickey en anglais, très bien rendu comme l'ensemble des bruitages, du rédit 70%. On vient très facilement à bout des 6 niveaux de jeu pour peu qu'on ait un peu d'expérience. Jouabilité 92%, aucun problème pour diriger la souris dans ses actions, et 75% pour les pros, donc les gens qui sont un peu habitués à avoir pas mal joué sur Super Nintendo, notamment à nombreux titres de plateformes qui existaient, mais sur les autres plateformes évidemment aussi. Un superbe jeu de plateforme classique pour la PlayStation, semblable quand on contenu aux versions Super Nintendo et Mega Drive de Mickey Mania, mais ô combien plus beau. Voilà pour l'avis de Console Plus, un peu donc mitigé, qui ne voit pas tellement peut-être l'intérêt de ce nouveau Mickey. On va regarder là juste un petit niveau, en chariot, on a juste vu la fin, malheureusement. Il y avait un petit scrolling, j'ai pas été assez rapide, et vous voyez là, on va descendre une tour avec un petit effet de scrolling, mais dans l'autre sens, puisqu'on va être poursuivi ici par des caisses, vous voyez, qui arrivent et qui rebondissent. Il faut bien connaître parfaitement leur trajectoire pour s'en sortir. Donc le test de Joypad numéro 50, nous sommes à la page 37, 38 par là. Il fallait s'y attendre, Sony adaptant pour sa console fétiche l'un des plus beaux jeux de sa Logitech. Quoi de plus normal, hein? Non? Mais c'est vrai quoi? La vie est belle, non? Et bien voilà, c'est fait. Vous aurez désormais droit au superbe Mickey Mania rebaptisé Mickey's Wild Adventure sur une console 32 bits. Je vous rappelle que vous incarnez la brave petite souris créée par
par ce cher Walt, et que vous allez devoir traverser toutes les étapes, enfin presque, de votre fabuleuse vie cinématographique. Que vous... que voulez-vous, c'est ça, être une star. Seulement, maintenant, il va falloir assumer les centaines de péripéties que vous avez joyeusement faites au cours de votre très longue carrière. Rencontrer des tas de monstres patibulaires, mais presque classiques. Éviter des dizaines de traquenards et affronter les boss que vous avez déjà coffré une bonne vingtaine de fois dans chacun des nombreux épisodes précédents. Voilà en gros ce qui vous attend de la plateforme et encore de la plateforme. Comptant Mickey Mania sur PlayStation, bien que reprenant les niveaux déjà connus et plus beau techniquement que les versions précédentes, plus d'effets de transparence, de 3D, etc. Un achat judicieux pour un joueur en manque de plateforme. 85% résumé compte tenu du fait que l'on trouve très peu de jeux de plateforme sur PlayStation, ce Mickey Mania ne manque évidemment pas de charme. Si vous aimez les belles couleurs et les personnages de Walt Disney, vous ne regretterez pas cette acquisition. Voilà, c'est dit et bien dit. Alors, voilà, test beaucoup plus court, qui nous dit que c'est vrai que c'est un petit peu une redite. Les graphismes 16%, des décors très variés, baignés de couleurs chatoyantes, rendre l'ensemble toujours aussi beau. Animation 15, elle reste identique aux versions 16 bits, c'est-à-dire très bonne, aucun souci à se faire de ce côté-là, on regrette qu'elle n'ait pas été retouchée. Maniabilité 16, aucune mauvaise surprise à attendre de ce point de vue, Mickey se manie avec facilité. 17, support CD oblige, je trouve la bande-son aussi bien au niveau musique que bruitage, d'excellente facture. J'aime des beaux effets de transparence, une excellente maniabilité, un bon jeu de plateforme, long et varié, lui estime plutôt le jeu long comparé à Console Plus, un goût de déjà vu, forcément manque d'originalité et d'humour par moment, 85%, donc pareil, une note assez mitigée, un petit peu plus, on va dire, gentille pour... le titre comparé au test de Console Plus. Enfin, je vous montre un autre niveau ici. Voilà, là on a un ascenseur, on est toujours dans le thème, hein. Vous voyez Phantom dont on parlait, dans le test de Console Plus, où là, on suit le scrolling d'un ascenseur. Dernier test donc, celui de Player One, nous sommes page 107 du numéro 61, avec, vous voyez d'ores et déjà, un 83%, donc un tout petit peu moins que Player One, on ne l'attendait pas et il s'invite avec un sans gêne. Mickey est plutôt gonflé, surtout qu'il ne s'est pas changé depuis plus d'un an. Bon prince, nous l'accueillons quand même à bras ouverts. Donc là, c'est le flou pour le test. Avant, c'était Trazom, comme vous avez pu le voir, pour donc le magazine Joypad, toujours trois hommes, toujours. Il y a un peu plus d'un an, Mickey Mania sortait sur 16 bits et célébrait de bien belle façon le 65e anniversaire de la souris mondialement connue à cette époque. 32 bits pointaient juste le bout de leur museau. On vous faisait baver sur les photos de jeux grand spectacle, Ridge Racer et autres Panzer Dragoon. Sorti aujourd'hui, Micromania, rien à voir. Le magasin Micromania, Mickey Mania sur PlayStation semble donc un peu gonflé de la part de Sony. Limité certes, ce plateforme reste sympathique, jouable et agréable, et ce d'autant plus que certaines améliorations techniques viennent appuyer la force des passages clés, la mise en couleur du premier niveau, la poursuite en 3D, mais tout de même on se retrouve devant un soft beaucoup moins long que Rayman, seulement 5 montres, et qu'on a oublié aussi Rayman 1995 qui est sorti sur PC et PlayStation. Sur Jaguar, qui était prévu sur Jaguar, il est sorti sur Jaguar, il me semble aussi. Et pas particulièrement, plus beau Mickey Mania avait déjà mal supporté la comparaison lors de l'arrivée de Yoshi Island et Earthbound Jim 2, sans parler de DKC 2, j'ai oublié Earthbound Jim 2, en effet. Inutile donc de vous dire que son passage sur 32 bits lui porte plus préjudice qu'autre chose, reste un petit jeu de plateforme sympa sans plus. Voilà, donc là, même point relevé par Player One que pour Console Plus, c'est une redite qui n'a pas de raison d'être. En fait, c'est un petit peu l'équivalent d'un portage, vous savez, comme on voit énormément ces temps-ci sur PS4, l'arrivée de jeux qui ressortent, ou même comme on a vu arriver beaucoup sur PS3, des rééditions
HD où on n'a pas changé grand chose en fait, et on a un peu l'impression que c'est ça, avec quelques remaniements, juste pour un petit peu avoir plus de jeux dans son catalogue, notamment quand on manque de titres plateforme. En résumé, avec ses graphismes, Inigo Mickey Mania a pris un coup de vieux depuis sa naissance sur 16 bits, une adaptation un petit peu décevante, graphisme 85% parfois beau, parfois très vide, certains passages ne possèdent pas de décor, animation 88% correcte avec quelques passages impressionnants, son 88% musique de qualité mais les bruitages ne sont pas toujours très travaillés, jeu habité 84%, collision imprécise. Ah, ici on nous souligne que jeu habité c'était pas tant ça, difficile de distinguer les éléments dangereux de ceux inoffensifs, ça n'a pas posé de problème aux autres testeurs. Voilà, pour ce petit tour de ce jeu de plateforme, donc qui s'appelle Mickey Whale Adventure et pas Mickey Mania, on va revenir à la vidéo. Donc un titre qui n'a pas été encensé, hein, notamment puisqu'on trouve que c'est une redite des versions 16 bits qui apportait juste un petit léchage esthétique, mais pas grand chose d'autre. Merci d'avoir suivi ces enfants du jeu vidéo, le mois de mars étant ce qu'il est avec une année bissextile, le mois de février étant ce qu'il est, on se retrouvera eh bien, une prochaine vidéo pour traiter du mois de mars 1996, pour voir un peu bien quel jeu faisait l'actualité d'il y a 20 ans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Amusez-vous bien et gaming. Ah, Mickey et Pitou. Oh là là, ce chien d'arrêt impeccable pour détecter tous les cerfs qui se jettent sur vous. Ciao, ciao.